Dexlo. On va aller à Raya Lucaria. Non. Ouais, déjà, on va mettre dans le coffre tout un tas de trucs. On va le garder parce que ça fait drôle. D'accord, c'est intéressant ça. Thug should be resting at an abandoned home down the way. Please, I must have the necklace back. Voilà.
L'âme cornue au plumes rouges. Maison plus loin sur le chemin. Maison plus loin sur le chemin. Je m'en trouvais où ? D'accord. Boss, hein? C'est où déjà? C'est quoi déjà cette mine? Ah bah, c'est parti. J'ai regardé ce que t'as lu et je
ça m'a fait tomber dans le vide. Merci. Voilà, voilà. Non, c'était moi qui étais avec un mec. Mais voilà. Je sais pas streamer. C'est pas le problème. C'est faire les deux. MP est dispo pour lancer Outer Wild, mais t'es dispo c'est maintenant, oui. Ce soir, c'est selon. Une maison. Là je cherche une petite maison. Petite maison sur le chemin. Ah, je sais peut-être là. Ce serait là. Est-ce que je l'ai eu cette grâce là? Non, je ne l'ai pas eu. Et en plus, ça ressemble à une petite maison. C'est bien possible que ce soit là. La cabane aux crevettes bouillies. What are you looking at? You trying to start something, mate? Ah, that necklace, what you're after, is it? Well, show me what it's worth to you, and I'll consider parting ways with it. I'm not in love with it or nothing. You're a shrewd one, Chief. First, you hand me the runes, and don't try nothing, neither. All right. Take it. Thing's no damn use to anyone anyway. Your bloody idea, mate. Don't come crying to me later. Oh, piss. Oh. All right then. I could be persuaded to sell you some. Oh. So you met the girl, did you? All right, well, sod the particulars of the matter. But it ain't my fault she's stupid enough to get duped, is it? Anyway, she ain't all right, that one. Lucky she ain't died on the bloody roadside, I reckon. Crevette bouillie. Améliore la résistance aux dégâts physiques pendant une courte durée. Bien, ça. Bon, bah, y'avait une grâce là. Voilà ma carte. J'ai fait toute la partie sud, ouest et nord le début. Malheureusement, je peux pas dézoomer plus que ça. J'ai fait Kali. Ouais, mais j'ai pas tout fait. Hein. En fait, j'ai juste fait quelques trucs quoi. Parce qu'en fait, je me suis retrouvé téléporté là-bas deux voire trois fois. Donc, mais non, j'ai pas fait toute la zone du tout. C'est vrai qu'elle est bizarre. Oh yes, that is my missing necklace. Thank you kindly. I am in your debt.
Did I forget to announce myself? I am Raya, in the service of Lady Tanith of the Volcano Manor. I seek Stalwart Tarnished, who might join our house. Je crois que tu as une épée qui te traverse le ventre, Not only a steady hand, but a steady heart. Merciless, even to your own kind. Such strength is precisely what my mistress seeks. Please, take this. Grave Tarnished. Ah bah. Ça tombe bien, j'avais trouvé le manoir. Most tarnished are doomed to wander the outskirts of the lands between, peering wistfully at the towering Erd Tree. But you are no ordinary tarnished. And once that is proven, the Volcano Manor will fully extend its invitation. Please stop, brave tarnished. You will only tire by striking this barrier. Besides, I am no foe of yours. Please, think this over. Oh, and this land of Liurnia is connected to the Altus Plateau. C'est là qu'ils te disent qu'en fait, il y a le... Beyond the high road, il y a l'ascenseur et puis il faut les j'ai bypassé tout ça. You must seek the old ruins in the cliff, at the base of the valley, near the grand lift. There's an old tunnel. It was excavated from both ends, linking Liurnia to the Altus Plateau. I have faith in you. I do hope. Seek the old at the base of it was excavated. I have faith in. I do hope. Après, je voulais retourner voir. Je voulais retourner voir lui. So pleased you're here. I'm glad that you're enjoying my gift. I knew it from the very start. You have a taste for noble blood. I wish to anoint you a proper inductee. A knight to serve Luminary Moog, the Lord of Blood, and establish a new dynasty. Luminary Moog has strength, vision, and of course, love. So, what do you say, my lambkin? Oh my, nothing wrong with giving you it for your ear. Okay. On va pas accepter parce que je sais pas du tout ce que ça va faire, ça. Allez voir où est la petite... Parce que je sais pas si j'ai été à la voir, celle-ci. Elle là. Pierre de Ford. Okay. Et ensuite on va partir au
4 méfois. On va prendre un des téléporteurs. On va essayer de prendre celui qui va. Qui va au-dessus du village des albinoriques. Précipice de l'anticipation. C'est où ça, le précipice de l'anticipation? Et le premier, c'est où? Les terres croulantes. Les terres coulantes. Ouais, bah on va tester celui-là. Surface d'endroit. Oula, d'accord, je suis de l'autre côté de la map, totalement. LOL. Ok. Et ouais, et je crois qu'en fait le troisième téléporteur t'amène là-haut. Là où tu voulais absolument aller et qu'on n'a jamais trouvé ni où. Tu es venu par la grande porte ici, ouais. Vision de objet. D'accord, donc normalement je dois trouver un objet quelque part sûrement, mais quoi, où ça? Quoi qu'est-ce? Mec, j'ai toujours pas acheté le truc pour crafter. LOL. J'utilise toujours aucun objet non plus. Bah, moi j'en utilise pas beaucoup, de temps en temps, une pierre pour être sûr de si je tombe que je ne meurs pas, ou talisman de dragon de perles. Qu'est-ce que ça fait ça? Améliore la résistance aux dégâts non physiques. Ben j'en avais déjà eu un, je crois. J'avais un autre truc d'une dragon de perles. Je pense que des fois ça pourrait m'aider. Oui. Oui. Rien que les pots. Tu vois, pouvoir faire des pots de feu, des pots électriques ou autre quoi.
parce que ça fait perdre un tout petit peu de vie, mais ça peut être quand même bien au game en fait. Il n'y avait rien là, quoi. Il y avait juste un objet. Pour descendre, fallait descendre où? Ici, il fallait descendre par là-bas. D'ailleurs, on va descendre, on va faire un coup de... ça. Oh. Aïe aïe aïe. Vilain, vilaine bête. Bah il y avait l'air d'avoir une espèce de boss. D'ailleurs. J'ai trouvé un chemin sur le côté pour descendre. Mais je sais plus. Je crois que j'avais un TP, mais je sais plus où est-ce que c'était. Ni le nom, ni où est-ce que ça m'a amené précisément. Ici ? Non, je sais plus où est-ce que c'était. Non, c'était là, je crois, puis ça m'avait amené. Voilà. Avec les mains géantes. Avec les mains. Les mains, le pire ennemi du jeu. Les mains araignées. Stab, 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 voilà.
Ah d'accord, c'est cette ligne de grâce, la route de l'iniquité. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ouh, qu'il est grand. Non, pars-toi, pars-toi. Mais ouais, c'est pas des gros trucs quoi, mais c'est genre des petites pierres qui te permettent de savoir si la chute est pas trop haute. C'est des trucs anti poison, anti foudre, voilà quoi, des petites choses hein, mais quand tu mets bout à bout plein de petits trucs, voilà quoi. Mais c'est quoi ce truc? C'est pour aller à l'arbre? Ouais, mais c'est consommable. Je crois que des trucs anti-poison, je dois en avoir deux dans mon inventaire. Justement, tu peux en craft. C'est ça le truc. Lui non, j'en ai tué un comme ça dans une grotte, mais lui non. Ah, puis forcément, si j'appelle mon cheval et qu'il vient pas, ça va pas le faire. Là, il va faire boum. Allez, descends. Mais vu ton niveau, tu vas pas avoir de mal. En fait, des comme ça, j'en ai tué deux. Pour être précis. Et oui, j'ai pas eu trop de mal. L'arme solidifiée grise, l'arme secrète serrée. Si je descends là, je me retrouve.
Parce que, regarde, si tu le sais, c'est pas ça, en fait. T'as des petites pierres dans le jeu. Et quand tu utilises une petite pierre, ça te permet de savoir si la chute est trop haute. Tu fais ça. Et si la pierre reste, en fait, c'est que ce n'est pas trop haut. Alors que si la pierre casse, c'est que la chute est trop haute. Bah moi je vais à l'ancienne, je sais je sais. Oui. Oui mais non quoi. C'est un petit peu chiant. Ça. D'ailleurs je vais pouvoir lever les là. Je sais plus si cette zone je l'ai faite. Peut-être pas parce qu'il y a toujours les trucs, mais je me demande si celle-ci elle ne réapparaisse pas. Et hein, attends, je suis gentil avec toi, je te sauve d'une mort certaine et voilà. Mais je vais me trouver où là en fait? D'accord, à Atlus. Mais par par un autre chemin quoi. Bah non, je les ai peut-être pas tués celle-ci donc. Aïe. Mauvaise idée de tomber du cheval là. Oh, je suis mort. Oh là là. J'ai perdu tellement d'âme. Et puis la rune d'arc. Je vais récupérer mes âmes, enfin mes runes. Non, non. Le petit frise qui te précipite dans le vide, oh là là. Et ouais, est-ce que t'as vu que si tu meurs par un grab, en fait tu te retrouves TP dans une zone. Oh non, 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 pas comme ça. Et arrête avec ton arc pourri, toi. Forcément, comme j'ai pas su pour le truc. Voilà.
Ok. Non, ça m'est pas arrivé. Bah, moi aussi. On voit les soldats qui se battent encore avec une vierge, c'est que c'est qu'elle respawn. Ouais. Voilà, une grâce. On va pouvoir lever les quelque chose. Ah si, je peux peut-être aussi level up ma fiole. Mélange de saline et récup, qu'est-ce que c'est ça? D'ignorer dans une shell permet d'ignorer toute consommation de PC. D'accord, ça c'est bien pour les mages. Et le truc que j'ai eu, c'est quoi? C'est ça? Améliore temporairement l'équilibre. Je me retrouve où là en fait? C'est un troisième chemin pour le plateau? Bah ouais. C'est un troisième chemin pour le plateau. D'accord, toi t'es arrivé par là la première fois. Ok. Et t'as galéré pour comprendre comment aller plus haut sur le pont cassé. Ah, tu veux dire là? Non, non. Là où tu m'as montré le caillou. Le caillou. Ah, ah là, là, d'accord. Ouais. Et c'est après que j'ai trouvé le manoir, moi. Et la bête stellaire, d'accord. Mais en fait la bête stellaire, si tu l'as pas vu dans les ruines de, enfin dans la mine de cristal que tu accèdes
par le coffre qui téléporte dans le lac, tu en as une dans le truc. Par contre, ce château-là, qu'est-ce que c'est? J'y suis pas allé. Ah oui, oui, oui. Ça, c'est quoi là? Ça, c'est le village des moulins. C'est ça? C'est encore autre chose. En plus, il y a aussi. On a une à droite à l'entrée du château. Ah ouais! Le gros gros chemin là, si tu pars à droite, il y a un cratère. Bah, c'est bizarre parce que j'ai l'impression de l'avoir fait le truc dont tu me parles là. Ouais, tu me diras, j'en ai peut-être tué une de plus. Hein. Aïe aïe aïe. Est-ce que j'ai déjà pris le coffre? Oui. J'ai déjà pris le coffre. Bon, qu'est-ce que t'as, toi? Ah, nice, une rune d'Aurélis. Comment est-ce que je rampe là-haut en crampant sur ça? Bah, peut-être. Bah, ça me paraît haut. Ah non, c'est faisable. C'est faisable, c'est faisable. Si vous me tirez dessus pendant que je grimpe, pas content. Hein. Ah, il a pas double sauté direct. Je suis sûr qu'il y a un autre moyen d'y aller, mais si on peut le faire comme ça, je le ferai comme ça. Ah, tu me diras, sur le pont, j'ai un TP sur le pont, donc bon. Pourquoi est-ce que je me prends la tête? Ah non, je suis en dessous du pont. Ah, tu me diras... Tu vas à l'est, et puis après ouest, et puis... Et tout, et puis hop. Je
m'en souviens pas de ce truc là. Je m'en souviens plus du tout d'être passé sur ce plan. Non, bah moi la première fois que je suis venu à Atlus, c'était par la grotte avec le dragon magma. C'est lui le noble masque d'or. Ah si, ça me parle. Oui, moi aussi, ouais. Un rat. Je déteste les rats. Ah, voilà. Invocation dans un autre monde, tiens. On va aller sauver la peau de quelqu'un, si possible. Ensuite, on éclairer la zone complètement différemment. Alors, en fait, moi, au début, j'ai le plateau, je l'ai pas exploré quasiment du tout. Ah bah voilà, ça c'est fait. Fini. De quoi? C'est pour ça que je suis si fort. Quand tu tues un boss chez quelqu'un d'autre, ouais, ça donne un peu d'XP, pas autant que quand c'est toi qui le fais le boss, mais ouais, ça aide, hein, ça file, ouais. Mais moi je suis sur cendre de rage, genre, ah, ça peut être cool ça. Moi je fais surtout ça en fait pour les arcs. Parce que comme tu le dis si bien, ce sont des consommables, mais c'est des consommables un peu rares quoi, donc connais-tu l'utilité des arcs runiques? Mon cher Bakoum. Alors, ça sert à quoi? Est-ce que tu vois l'espèce de signe que j'ai en haut à gauche? Oui. Eh bien ça, en fait, c'est un truc que tu équipes quand tu es à la grâce, et ce truc là en fait ça te file plus 5 dans chaque stat uniquement si tu as utilisé un arc runique, sinon ça ne sert à rien. Et c'est à ça que les tours divines servent. Je sais pas si tu as trouvé celle de Godric qui se trouve, je te montre sur la carte, la tour divine de Godric, elle est là, celle-là. Mais j'ai trouvé plusieurs, mais j'ai pas pu rentrer dans toutes. Voilà, bah c'est. Un
un petit peu ça le truc. Et en fait, chaque rune a un effet qui change, quoi. Bah donc pour que ça fonctionne, il faut utiliser un... Tiens, c'est la capuche de... C'est pas la capuche de... Augmente la vigueur, augmente l'esprit. Oh, c'est bien ça. Un point de vigueur, jamais la grâce Nikita. Je pense que les chiens dans le jeu sont tous ces trucs. Oui. Oui, tu peux, oui. Mais ça pourrait être bien ça pour avoir plus de vie. Après, ça me file moins de def. Ça me. Ouais. Puis un peu plus de PV, quoi. S'il y avait su, je l'aurais équipé plus tôt. Mais tant pis. Pour une dorée. Le village des moulins, je l'ai fait. Il y a un autre moulin sur la route. De toute façon, il y a tellement de grottes et de donjons dans le jeu qui servent pas. Parce que bon, toutes les grottes qui filent le dessort, des machins, moi. Tout ce qui est arme, étant donné que j'utilise toujours une seule arme, le petit va peut-être se réveiller. Protection de l'arbre monde. Faites pas semblant de dormir. Yep, un petit coup, c'est gratuit. Ça
mange pas de pain. Par contre, il y a peut-être un petit truc qu'il faudra qu'on fasse en coop parce que ça a l'air d'être un donjon dur. C'est le donjon, la tombe des héros de c'est ce truc-là. La tombe des héros de Gelmir. Que t'as de la lave, t'as des mecs qui ressuscitent tout le temps. C'est Honor qu'il faut que j'aille. Dans les. C'est Honor qui a le chemin vers l'espèce de marais. Chelou, moche. Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe? Slime, je clique. Là, c'est empoisonné, ouais, ça c'est sûr. Je clique. Des basilisques. Je déteste ça. Je les déteste. Même si maintenant, à cheval, ils sont quand même vachement plus simples, je trouve. Et moi là, j'ai pas tué le boss. J'ai une grotte, j'ai pas tué le boss, mais je suis devenu. Et depuis, je suis devenu à beurre. Alors, la tombe de. Gelmir, pour te dire comment ça commence, en fait, t'as une grande pente avec un chariot qui roule et de la lave. Si t'as fait une grotte qui ressemble à ça, c'est que tu l'as faite. Ok, bah.
Tu te souviens plus du boss. Ah, soit une ombre, soit un truc. Ouais. Le bastion. Et en effet, il y a le petit gars qui est en train de rouspéter. Ah, je crois que madame est rentrée. Ça me gêne pas de la faire en coop. Ouais, bah, faudra voir quoi. Ils font ma vie, donc. Bras droit devant. D'accord, bon, bah voilà, je me suis fait stuck, lol. De toute façon, je vais stop. Faut que je regarde combien de runes j'ai et puis je peux pas encore level, voilà. Allez, on va aller à la porte en espérant qu'il y ait une grâce. Et si on a une, c'est cool. Si on n'a pas, bah, faut qu'on en trouve une. Une plante, les plantes. Des trucs intéressants. Oui. Aïe.
Ouais, mais c'est par principe. Je vois un truc qui me tape, je le tue. Aïe! Ciao!